Salut tout le monde, c'est MacLeon85. On se retrouve aujourd'hui sur son magnifique vélo. Palapalapala, ça bug, perte d'FPS. Incroyable. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur la route 206 avec beaucoup de choses qui se sont passées. Hein, puisque dans le dernier épisode, nous avons eu notre Avkia Ego en Togepi. Voilà, ensuite, voilà, on a expé nos Pokémon doucement. Ils sont tous niveau 20 minimum, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un que je vais garder. Hein. Voilà, moi je suis content. Très content. Vous, je ne sais pas. Voilà. Hein. Voilà, donc pour tout qui puisse, avec un petit but d'expérience pour qu'il continue de monter de niveau. Pour qu'il apprenne voilà, de nouvelles attaques. Métronome, surtout que j'aime. Oh, j'aime. Hop là, ça fait bugger. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller chercher le cherche VS. Ça veut dire que je vais. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cet épisode-là. Je vais up à une vitesse beaucoup plus vite en off. Enfin, voilà quoi. Enfin, vous ne verrez pas vous, mais moi, ce sera impressionnant. Je gagnerai un temps fou. Donc, eh ben, je vais tout de suite aller faire le combat. Alors, combat double. Boscara, tu vas rester avec moi. Je vais retirer le multi-expérience parce que déjà que l'expérience est déjà divisée par deux, ça sert à rien de le rediviser par deux pour les Pokémon qui se combattent. Et c'est parti. Non, je voulais toutes les musiques par cœur. Où c'est grave, moi je rajoute. Eh ben c'est parfait, dites-moi. Eh ben, moi j'ai rien à dire. C'est ce que je voulais. Alors, morsure sur Pachirisu. Et. Étincelle sur Instagram. Il s'achante sur mon Boscara, hein. Il n'aime pas. Sauf que moi en plus je n'aime pas, malheureusement. C'est la nature. Ouais, la nature. Étincelle, hop là, on en finit avec toi. Ils vont se tourner sur moi. Pas mal hein, ça je le sais. Trancherbe. Meurs. C'était méchant ça. C'était méchant. Sauf que ça permet de gagner quand même. Et voilà, et parfait, level 24. Avec mon petit accent anglais, c'est de la merde. Oh, on a perdu, oui t'as perdu mon petit gars. Oui, mais vous avez perdu tout les deux, vous êtes content. Alors celui-là. Est-ce que je garde Boscara? Non, rose bouton, ça va être à toi d'up un peu aussi. Hein. Je vais pas rester à la traîne, t'inquiète pas. Pardon. C'est ce que j'aime tellement, cette musique elle est tellement en classe. J'espère qu'il a un petit tonic celui-là, parce que sinon on va pas être content moi. C'est de l'arnaque. Allez, on fait deux doigts. Mais toujours avec mon petit shop. C'est bien. Je suis pas dans ma chambre, je suis dans. Non mais là je vous raconte ma vie là, vous avez pas besoin de tout savoir, merde. Dites-moi c'est encore mieux ce qu'il me propose en fait. Un tarineur, ça donne mais à mort. Tellement moche un Pokémon. Bien sûr c'est super efficace. Mais elle peut pas s'échapper. Oh, ça je m'en fous si je peux pas m'échapper. Enfin ça me fait. Ouais non, je m'en fous. Oui. À son attaque.
Ah ben c'est parfait. Alors là, là si je pars. Voilà qui s'est explosé. Toujours là. C'est tout. C'est pas mal, mais 1462, j'aurais presque expéré plus. Alors, on prend notre chercheuse. Et voilà, je vous l'avais dit. Moi, ben ça aussi, entre le génial et eux, le Rudy. Mais on n'est pas là pour parler de moi, j'ai un petit truc pour toi. Choisis main droite, j'aime bien. Chercheuse, yes. Tu vois, ça m'agace, tu as l'esprit pratique. Dans la gauche, texte que t'as, le chercheuse aussi. Pourquoi? Parce que t'en as besoin aussi. Dans ce VS, tu pourras localiser le dresseur qui fait faire une revanche. Oh, regarde, c'est une Pokémon. Exact, c'est bien ça. Dans ce cas, je te donne aussi ceci. Oui, c'est mérité. Oh, ça, je sais. Pokémon Arada. Ah oui, c'est vrai. C'est pas un objet, c'est un Pokémon blanc, ça. Ah, mais parfait. Je l'ai, mon radar objet. Je sais qu'elle donne tout. Tiens, d'ailleurs, je crois bien qu'il y a quelque chose ici même. Essaye. Allez. Eh ben, on va essayer ça tout de suite. On se retrouve tout de suite donc sur l'écran tactile. Re tout le monde, alors là désolé, mais là je vais avoir plein de dossiers images parce que là Fraps m'a. Ouais, là j'ai pas aimé ce qu'il m'a fait Fraps. Enfin bon. Hein, c'est pas grave. Alors on va prendre Boscara, on va continuer le up. Hein. Donc voilà, donc j'ai récupéré une super ball, l'objet qui était par terre. Le radar objet, je pense que j'utiliserai en ellipse ou en off, hein, parce que ça sert strictement rien. Mais c'était, ouais, j'ai bien fait mettre mon Pokémon place. Voilà, mon ordinateur il va se calmer, mais là il souffle un peu. La pistolet à moi d'ailleurs, pourquoi je le mets sur mes jambes? Vous allez me dire, je sais pas, enfin vous le saviez pas, moi je le sais. Attention, ça fait du oui. Voilà. Il fait deux toi. Scorplane change de Pokémon. Pokémon type vol et sol. Luxio n'aura aucun effet sur lui. Le rose bouton alors. Ouais merde. Ça n'aura pas beaucoup d'effet. C'est bon. Pff, ouais, non, c'est pas bon. Pokémon. Je le tente jusqu'au bout, allez, je le tente jusqu'au bout. Je suis pas loin en plus d'un centre Pokémon. Pardon, je fais des bulles. Ça c'était pas une bonne idée ce que tu viens de faire. Ça c'était pas une bonne idée. Au moment où il va up, mon Pokémon perd son Krolozen. C'est une blague j'espère. Parce que quand il up, son bonheur est augmenté. Donc le Krolozen en plus multiplie par 2 si j'ai bon souvenir. Enfin chaque stat de bonheur. Donc là je vais avoir un stat de bonheur totalement normal. Non ça me fait pas rien là. Non, je rigole pas là, c'est pas vrai. Luxio a trop joué, Luxio contre Luxio. Ça devrait faire l'affaire. Merci. Parfait.
tellement rapide, tellement de puce. Et voilà. Pas d'évolution. Alors là-bas, je sais qu'il y a une Pokéball, donc je peux utiliser radar. Il est un caillou, c'est pas bien. Ça donne rien du tout. Rien. Allez, on continue le combat. Il avait un glissier, c'est bon ça. Ça me fait vraiment plaisir là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Crassement qui servira à rien. Et hop là. Et voilà, niveau 25, rattrape et tourbade. Mais j'étais vraiment décidé de monter Boscara parce que là c'est mon premier Pokémon. Je pense que c'est comme si je devais faire un petit peu de respect. Voilà, allons choper donc la Pokéball qui est ici. Voilà, je ne me plaindrai pas du tout sur l'objet que je viens de récupérer. Un objet parfait. Deux objets parfaits. Alors attendez, je crois qu'il y a encore un objet ici. Non, d'accord, je me dis. On finit bien tous les combats, hein. C'est un rappel. Je vous le rappelle, je ne sais pas combien de fois. Moi je suis comme ça. Je perds pas de temps. Enfin, je perds pas de temps, si justement je perds du temps. Puis en sens, ok, ouais, ben voilà, je me sens plus vite. Petit match. Parce que je pensais pas que ça serait aussi puissant quand on choque comme ça. Meditica, on va changer de Pokémon. On aura besoin de toi très vite. Se réveiller. Ah ben non, il se rendort. D'accord. C'est la fête des up aujourd'hui, c'est la fête des up. Est-ce que j'oublie? Ouais, j'oublie une capacité. J'oublie
oublié le gros jeu, parce que chargeur, ça peut servir, ça peut servir. Eh bien voilà, on a fait tous les combats. Enfin, pas encore tout à fait. Il nous reste encore sous la route, sur la piste cyclable. Ouais, on ira à Uniónpolis dans le prochain épisode, malheureusement. Oui, oui, dans le prochain épisode, si vous êtes pas content, eh bien, allez pleurer, je sais pas, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais ce sera pas aujourd'hui qu'on ira à Uniónpolis, ce sera pas dans cet épisode-là, en tous les cas. Il reste en plus 15 minutes. Même pas 15 minutes. Dire jusqu'à 5 hein, parce que j'ai commencé un petit peu plus tard. Allez. Putain, j'ai vraiment envie de continuer. Ouais, non. Je ferai ça demain après mon petit bug là. Je serai tranquillou. Tranquillou. Allez, on est parti. On retourne. Voilà. Allez. Les dix combats à faire là-bas, ce sont des types plantes en plus à combattre. Boscar, allez, je compte sur toi, je sais que tu peux le faire, Boscar. C'est ici qu'on peut choper des Ponyta. Et c'est là que je commence à me demander, est-ce qu'il faut que j'en prenne un ou pas. Hop là, PP+, c'est pour feu. Descurplan aussi, je ne savais pas ça par contre. C'est un score plein, tu peux te le faire, on se calme. Alors, hop là, vous voyez la petite Pokéball en plein milieu. C'est tout à fait normal. Ça doit être interdit ça d'ailleurs. Hop là, les premiers combats dans cette zone. Bizarre, on m'avait dit qu'il y avait deux grottes sur la route 206. Et je me... Seule deux grottes. Alors là, vous savez, c'est... moi-même je suis choqué par ce qu'il vient de me dire. Je sais qu'il y en avait une tout au bout. Deux grottes. Le mec vient de me... Petite recherche va s'imposer, je pense. Savoir si elle existe vraiment ou pas, cette... Pour les combats, en tous les cas... Oh, il y a ça. Oh, un petit super repoussé. Ça sera dans le monde couronné à la fin. Bon, moi, je commence vraiment d'avoir marre de me faire attaquer par tous les monstres qui passent. Parce que c'est très énervant. Comme ici, par exemple. Allez, tranchère, bon, je le fais. XP gratos. Non, malheureusement, j'ai pas d'objets sur moi. Ce qui veut dire que ça ne me fait rien du tout. Alors, je vais reculer. Parce que j'espère que le mec... Ah non, je suis à tort. Je suis énervé. Oh, tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, salut. Pas sûr de t'avoir connu. 4
415. Pop. Timéo. 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 Je connais pas. Ça, c'est puissant au fil du tour. Ça, j'ai pas une bonne idée ce qu'il vient de faire. Et hop, niveau 26, c'est bon, il a pris l'avantage, mon petit mascara. En plus, bien voilà, bientôt l'évolution. Ça reste une blague. Voilà, le Ponyta. Est-ce que j'en attrape un? Est-ce que j'en attrape un? Je sais pas. J'ai envie d'un galopin, en plus j'en ai besoin d'un à la fin. Afri me pique. C'est là. Fini, je sais pas du tout. Voilà, j'ai fait fi dans mon Pokédex. Où est-ce qu'il y en a? Pour vous, je crois que c'est la première fois que vous voyez que je suis dans le Pokédex. J'ai déjà utilisé une fois, mais je crois que c'était en off. Ouais, c'était en off normalement. Allez, on descend, c'est aussi, J'ai vu Capumain. J'ai tout de suite pensé à Arbre à Miel. Et j'ai encore oublié d'aller voir. Malheureusement. Alors, zone. Ok, en dessous, ici. C'est peut-être mieux que je le prenne maintenant, non? Je vais prendre maintenant. Je vais le prendre maintenant, ça sera mieux pour moi. Match de foot. Et ouais. Allez la France. Allez la France. Ils sont bien partis pour l'instant. Hein. Le Nigeria, j'espère qu'ils vont en faire cuit bouché. Hein. Mais bon voilà. Le foot c'est le foot, malheureusement. Voilà, alors ici on a besoin de flash justement. C'est pour ça que je vais pas y aller. Plus on a besoin de force. Alors ici vous voyez il y a des Pokémon spéciales. Il y a un Pokémon qui est assez bien recherché. Ce sont les Cricnot. Cricnot, tout à fait. C'est impossible que vous ne connaissiez pas. Je crois que c'est bon, assez droite. Parfait, niveau 17 en plus. Pardon, j'ai tapé dans le micro, si ça fait un boom. Ben, je m'en excuse tout de suite. On se calme tout de suite. C'est pas de ma faute. C'est de la faute à Ponyta. Parfait. Hop là, un petit sac, ball. Allez, on va attraper une Pokéball. Ça fait toujours plus classe la Pokéball de base. Ça marche tous les coups. Et voilà. Mon Ponyta, il part tout de suite au PC. Chance lente à la naissance, ses pattes deviennent très vite sûres et solides à force de galoper. Et ben, tu sais quoi? Rien du tout. Attends, j'espère que c'est... Je me demande... Qu'il est en dessous la grotte. C'est ici qu'elle est Cricnot. C'est là qu'elle est Cricnot. Vous voulez une preuve? Alors là je m'enfonce. Hein. Fais sur un Cricnot, fais que ce soit un Cricnot, fais que ce soit un Cricnot. Bisous. Non pardon.
vais l'attraper, je m'en fous. J'attrape. Parce que c'est un bon Pokémon, peut-être. C'est sa dernière évolution en fait qui m'intéresse. Putain, je suis trop content, je savais qu'il était en dessous de la deuxième boîte. En fait, j'aurais même pas besoin de faire deux recherches internet. Voilà, j'aurai la réponse. Y'a que de ça. Voilà, je dis, y'a que de ça. Oh, c'est puissant, trop chiant. Je sais pas comment j'enlève. Normal, je joue ça. Alors. D'accord, en fait, trancher, c'est extrêmement puissant. Normalement, quand t'es team dragon, ça n'a aucune efficacité, cette technique. Voilà, donc si vous cherchez un Pokémon comme moi, faites comme moi, je vous conseille. Fortement, mettez-vous en avec votre bicyclette. Ça, plus vous allez vite et plus les Pokémon vont venir vous voir. Des fois c'est un peu cheaté le truc, des fois ça peut être l'inverse. T'as pas intérêt à mourir. Mais c'est pas vrai, trop cher, c'est beaucoup trop puissant. Bon ben voilà, d'un côté j'en suis fier d'en avoir. Voilà, vous voyez. Ça me fait chier d'ailleurs. Ah oui, toi t'es mal tombé. Donc d'avance au cas où, puisque j'en parle, ouais c'est vraiment au cas où je poste cette vidéo avant la vidéo Minecraft. Donc elle sera sur donc ça sera sur une map que j'ai choisi, une map western. Ouais, une map western. Ouais, si vous êtes pas content, mais vous êtes pas content. Voilà, chouchou, c'est une putain de map. Donc j'ai commencé, et puis le but c'est de survivre tout de suite. C'est de survivre en fait, enfin je tombe dans un village de ouest, du western. Un village ouest de... Un village de western. Voilà. Voilà, j'en ai dit assez. Le jeu western, moi j'en dis plus, hein. J'ai fait le jeu western, on doit créer notre propre maison. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il est vraiment débile ce Pokémon, en plus il arrête. Donc je dors. Il est con. Ah non. Ça va pas me faire rire, ça, mon petit. Ça, non. Parfait, c'est bien, parce que c'est very good. Je vais l'exploser. Je vais lui prendre par les deux, par deux petites boules. Avec une force surhumaine, je vais déchirer de l'acier. Mais quelle merde. C'est une putain de sac de merde. Je vois d'ailleurs, est-ce qu'il a... Il a pas chopé, c'est le choc mental. En place, c'est parfait. La confusion part en plus avec les tours. C'est parfait. Allez, voilà. Pascara, il va pas tenir longtemps. Désolé, mais ce sont les mignons qui refont leur petit clou, les mignons. Mignon Wash, si vous cherchez, si vous avez Windows 8, Windows Store. Voilà, voilà, je fais un petit peu de pub. C'est pas moi qui ai écrit, je sais rien dire. Et on voit là le petit jeu. C'est un genre de Subway Surfer. Attendez, je m'égare. Faut que je reste dans le... Faut que je reste en Pokémon, là. Pokémon. Niveau 27, parfait. Bisous. Non, je vais garder Morsure. Ça, c'est important.
J'ai avoir 3 attaques, même si j'aime pas ça. Mais je préfère garder que 3 attaques. Ça. Voilà. Ça sera trop cher que j'oublierai après. Un niveau 20 sérieusement. Hop, 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 hop. Mais l'épisode va se terminer. Je cruche, c'est mal, c'est mal.